Michael Langley est au Maroc sur instruction royale. Le général d'armée commandant du commandement américain pour l'Afrique a été reçu par Abdelfloudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale. Occasion saisie par les deux hommes pour exprimer leur satisfaction quant au niveau d'excellence atteint par les relations de coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis. Because this is an extension, and this is also symbolic of our deepened relationship. L'approfondissement de nos relations bilatérales est une symbolique des relations solides entre les États-Unis et le Maroc. Nous savons que la relation entre les deux pays remonte à l'année 1777, depuis la reconnaissance par le Maroc de l'indépendance des États-Unis. United States. And then we also confronted today. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nombre d'événements mondiaux, caractérisés par une stabilité régionale relative. Nous avons des valeurs communes que nous devons exploiter pour construire des ponts. La dernière fois que je suis venu au Maroc, c'était lors de l'African Lion 2023. Ce que nous avons montré et exposé avec nos partenaires africains était une démonstration de nos solides relations pour instaurer la sécurité. Une sécurité qui nous amène à instaurer la paix à travers le continent africain. Le Maroc, qui est notre précieux partenaire non membre de l'OTAN, a démontré son expertise en matière de questions sécuritaires. Il l'a montré lors de l'African Lion 2023 et je sais qu'il le montrera à nouveau lors de l'African Lion 2024. Aujourd'hui, en poursuivant nos relations de coopération, nous avons discuté de ces questions, car nous allons faire plus et mieux avec d'autres partenaires africains. We discuss those matters because we're going to do it bigger and better with other African partners.